Allez! C'est parti pour une nouvelle mission. Oh, haul away for the windy weather, boys. Haul away, boys, haul away. Oh, haul away and pull together, boys. Haul away, boys, haul away. Haul away and let's get going, boys. Haul away, boys, haul away. Oh, haul away for the merchant's money, boys. Haul away, boys, haul away. Pas grand chose sur lui, hein. J'ai bien fait. Bon, c'est un petit bateau. Démantelé. Alors pour l'instant, j'ai surtout besoin de matériaux plus que thunes ou autres. C'est ça qui me manque. On a heurté ! Fais gonfler la grand voile ! Cicatrice. Par tous les diables ! Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que c'est Gowazé ? Nous arrivons trop tard. Non. Fort Frédéric est proche. Le colonel doit pouvoir le défendre. J'avais entendu le capitaine ! Duller ! N'engagez pas le combat. Allez, on va prendre ce vent ! On a le vent qui s'ouvre derrière nous. Réduisez la toile! Toute la toile! La main dessus! Putain, ils ont tout saccagé. Sans mettre. Attention, il y a du monde. Absolument éviter contact. De mecs avec des fusils sur les toits, là, par contre, c'est différent. Essayer d'emprunter un maximum les ce type de passage un petit peu automatique. On a fait la moitié. Il commence à y avoir un petit peu de monde là. Putain,
Le bâtiment qui est juste à côté, là, il serait pas mal. Je sais pas pourquoi, là, les branches, je le sens pas trop. Il y a des soldats. J'ai pas trop le choix. Et là, je vais où? Putain. Je me fais dessus, là. Pauvre. J'ai de la chance qu'ils aient une mauvaise vision. Oula, j'allais m'engager, mais... Nickel. Ça me paraît un peu ambitieux, mais bon, on va le tenter. C'est bon. C'est les canons qu'on entend. Ensuite. Nice. Ok, c'est la guerre. De régler son compte. Nice. C'est l'œuvre de Kesegowaze, n'est-ce pas? Je pense, mais je n'ai pas encore aperçu ce démon. Le manuscrit. Vous... Protégez-le. Portez-le à bord. C'est un ordre. Vous donnez des ordres? À votre supérieur? Je ne fais pas partie de votre armée. Je m'occuperai des défenses jusqu'à votre retour. Wow. Qu'est-ce que moi c'est? Bien formé, traître! Kesegowaze! Il aurait dû en être autrement. Non, Shay. Tu es un ennemi. Achille finira par te tuer. Achille n'agit pas pour le bien. Qui es-tu pour en juger? Les Templiers sont perdus. Et toi, avec. Monroe. Est déjà. Mort. Qu'est-ce que tu dis? Liam... Stop, arrête-toi. Pris dans les lambeaux, attention, on va sauver Monroe. Est-ce que je peux sauter sans me tuer? Pas compliqué, là. On joue un petit peu d'agréable, ça m'évite de me faire du mal. Le colonel est parti en direction des quais. Un colosse armé d'une hache pour chasser le colonel. D'accord, ok. J'en prends note. Sur la unité d'accueil qui vient à gauche. Tenter de les. Non, esquiver. Avant que l'incendie se propage. Le colonel, il est prisonnier à l'intérieur. Putain. Alex, ton
sauver le colonel. Waouh. Vite, vite, vite. Ramasse-le, ramasse-le. Faut pas rester enfoncé. Le manuscrit. Un assassin l'a pris. Liam. Je le récupérerai. Je le jure. Shay. Synchronisation totale, sachant qu'éliminer Keze Gowaze au canon barillé, c'était pas forcément évident, hein. Fallait vraiment les repérer juste avant. Je crois qu'il y a quelqu'un qu'on connaît en face, là. Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre ? Si je t'ai pas de bêtises, ça fait Calloway. Je le jure. De ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes ? Je le jure. De nous rester fidèles, quoi qu'il advienne. Jusqu'à la mort. Je le jure. Tu es désormais des nôtres, mon frère. T'es lui. Tu es désormais un Templier. C'est dans le l'émissaire 3. D'un nouveau monde. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Comprenez à présent ? Je comprends pourquoi vous vous intéressez à Shay Cormac. De retour dans le présent. Shay a vu le vrai visage du monde. Et il a choisi son camp en conséquence. Vous aurez bientôt un choix similaire à faire. Je pensais pas que t'irais aussi loin, mais t'as l'air d'être sur la bonne voie. On peut toujours pas accéder au serveur du sous-sol, mais il y en a un autre en haut de l'immeuble, près du bureau de Mélanie. C'est là que tu dois aller. Ça, c'est du poster.
passer me voir à mon bureau? Il faut qu'on discute. Ça va le bureau. Oh la vue. Ce bureau appartenait à un homme du nom d'Olivier Garneau. Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otzoberg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ah ouais. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Shay. Oups. Si c'est par là. Ça me parle vaguement, cet endroit. Je pense que déjà dans l'une des versions, on pouvait se balader. Nouvelle énigme. François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage pour l'initier à sa prétendue confrérie. C'était dans le Mackendall était un menteur cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son credo en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille, les Templiers firent un exemple de Mackendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui tenait lieu de confrérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agathe s'enfuit en Louisiane, Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Mackendall. Consciente du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses Templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agathe de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des Templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grandpré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux Templiers face au terrorisme des assassins. Bien. Bon, on y retourne.
si on était au 2 ou au 1. Bien joué, cobaye. J'ai chargé la suite des mémoires de Shay, c'est quand tu veux. Nous y sommes presque. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même si elle se dérobe à votre compréhension. Ce que je dis, c'est que Violette n'était pas obligée de nous engueuler parce qu'elle a réparé l'ascenseur avant nous. Ah, vaudrait mieux que je meure. Je te tuerais bien, mais elle serait foutue. Splinter Cell, en ce moment, ils en parlent. Tu aurais bien une suite qui va sortir en 2018. Bordel! Qu'est-ce qui se passe? Encore un bug? Le même qu'avant, Shay est de retour à Notre-Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. Alors ici, du bateau. Cette région. Là ici, on traverse de la forêt. Voilà. Il y a des courants d'eau. On va longer le canal. Et on saute. Sur un nid d'aigle, enfin un nid d'aigle, un saut d'aigle. Voilà, on a fait au préalable un petit peu de ménage. Le bateau. Il est en... C'est de le localiser, il est plutôt en hauteur. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut qu'on grimpe? C'est par là.
Oups. Ça va, une balle a suffi. Je commence à avoir peur. Moi j'ai vu l'ours. Bravo Fred, joli saut. Ah, je crois qu'on a notre pilier. Allez, on va déchiffrer l'énigme. D'accord, c'est pas lui. Nice. Impeccable. C'est le deuxième qu'on récupère, mais peut-être que dans la vidéo vous le verrez après la réalisation d'une quête principale. Défi de chasse. Par contre j'ai peur, il y a des renards pas très loin. J'ai peur que ça porte sur eux. Relève mon défi et prouve que tu es au sommet de la chaîne alimentaire. On ne fait pas chasser un requin blanc à main nue. C'est des renards. C'est des renards. J'ai dépecé ce qu'on a trouvé. Ça m'agace quand ça bouge juste avant que je tire. J'ai pu faire l'expérience, essayer de leur courir après, c'est pas forcément judicieux, mais... Ah. Merde, j'ai l'impression que c'est pas la bonne bestiole. C'est autre chose. Ressemblait plus à un Bambi qu'à autre chose. C'est notre chance comme ça, hein. Pas perdre de temps. Cinématique de dépeçage. Trois à recharger. Voilà. Trois. Même pas des décimés tout le monde hein. Hop, je crois que c'est l'avant-dernier.
Ah. De toute façon, une fois qu'il commence à se mettre à courir, c'est compromis l'affaire. Ah, lui bouge pas, faut que j'arrive à avoir un angle. Nice. Et voilà, le dernier. C'est fait. Ça va, 1400, ça rapporte, hein. De grâce,